Depuis un peu plus d'une semaine, la ville de Kousséri, située dans la province de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Tchad, est en proie à d'importantes inondations. Malgré les sacs de sable utilisés pour contenir les eaux, pour de nombreux habitants, il était déjà trop tard. Des familles se sont retrouvées sans abri alors que les plus chanceux ont trouvé refuge chez des proches. Ma maison est prise, la famille est presque vidée, les choses sont vidées. Je les ai ramenées en un lieu sûr, en ville. Selon les autorités de la commune, les deux fleuves régionaux qui confluent à Kousséri, le Logone et le Chari, connaissent des niveaux d'eau exceptionnellement élevés qui menacent d'avancer progressivement vers le centre-ville. La ville de Kousséri, l'arrondissement éponyme, est confrontée depuis un peu plus d'une semaine aux inondations dues aux eaux de crue des fleuves Logone et Chari. Des camps de déplacés improvisés accueillent les populations des quartiers inondés. Le recensement des sinistrés est actuellement en cours.